Synesthetic. They hate us, and it's hard to let it go. Cause I can feel the rage. Cause I can feel the rage. I'm about to raise. De l'American Staff comme un juge canin ou comme un vétérinaire, tout simplement parce que j'ai pas envie de le standardiser et j'ai pas envie de vous en parler de manière théorique. Je vais vous en parler avec mon vécu, le vécu que j'ai avec lui et surtout la pratique que j'ai depuis toutes ces années avec ce type de chien, l'American Staff. C'est un chien qu'on a préféré isoler parce que c'était plus simple de le faire passer pour un chien cassos que pour un chien qui était compliqué à éduquer. Parce que qui dit compliqué demande du savoir-faire et c'est là que ça bloque. Et forcément, tout ce qu'on ne maîtrise pas, on l'isole. Et c'est un peu ce qui se passe pour l'American Staff. C'est vraiment un très bon chien, un très bon partenaire de vie. Sauf que quand vous faites par exemple du cours en groupe, etc., c'est le chien qui vous nique un peu l'ambiance. Et du coup... comme maintenant l'American Staff, on le trouve dans tous les foyers, le cliché de l'American Staff est terminé, quoi. On retrouve vraiment l'American Staff dans tous les foyers, dans tout type de foyer en tout cas. Comme il existe différents types d'American Staff, il existe aussi différents types de propriétaires. Vous n'achetez pas tous l'American Staff pour la même raison. Comme vous pouvez constater, j'ai un très beau t-shirt. C'est tout simplement que ces outils-là, ils favorisent l'endurcissement du chien, l'endurcissement de son caractère. C'est une logique simple. Si je vous tape avec un bâton dessus, il y a un moment, soit vous allez vous rebeller, soit vous allez vous endurcir. Ben, c'est un peu ce qui se passe avec le chien, sauf que c'est passé de manière amicale, vu que c'est fait par des professionnels, etc. C'est cool. Donc les gens aiment leur chien, mais pratiquent comme ça. C'est un peu contradictoire pour moi, c'est mon propre avis à moi, hein. Mais c'est vraiment ce que je pense. Je pense que si on aime un chien, on aime le conduire de manière digne, on respecte son chien. Et j'ai beaucoup de respect pour cette race, tout simplement parce que c'est une race qui donne du... Elle me donne la pêche. Moi, elle me donne la pêche. Le chien est toujours content, il est toujours opérationnel. On lui reproche des choses qui sont complètement médiatisées. Et qui sont amplifiés. Vous êtes nombreux à me demander mes services pour pouvoir éduquer vos American Staff. Je le fais avec un grand plaisir. Encore aujourd'hui, j'ai reçu un couple avec un American Staff. Un rendez-vous qui devait durer une heure, il a duré 4 heures. Mais la montre, elle s'efface, c'est la passion qui parle. J'aime parler de ce chien, j'aime le faire travailler, donc c'est pas un souci. Mais c'est pas tout le monde qui a la passion de ce chien. Donc il faut que vous, en tant que particulier quand même, vous essayez de capter le caractère de votre chien et de pouvoir vous déjà vous y adapter. Parce que c'est le premier défaut que je remarque. C'est-à-dire que des fois vous avez le caractère mais vous ne l'utilisez pas. Et on vous a trop habitué à associer le caractère avec la violence ou la fermeté. Et tout est mélangé. Du coup on se retrouve à plus rien faire. Et vous avez des chiens qui font pas ce que vous leur demandez, c'est normal. Je pense qu'il y a un juste milieu, et puis on est tous capables de le trouver en réalité. Je prends le sujet de l'American Staff parce que c'est un chien avec lequel j'ai démarré, c'est un chien qui m'a aidé à me faire connaître aussi. Parce que quand j'ai démarré, j'étais propriétaire d'un American Staff, et qu'est-ce qui se proposait à ce type de chien? Bah rien, rien du tout. Donc de développer son image, de le mettre en avant, de montrer que en réalité, si vous regardez mes vidéos, c'est pas forcément ces chiens-là les plus dangereux.
Donc si vous voulez, ça remonte un peu la balance et ça ouvre les portes sur une autre image sur ce chien. Forcément, les médias, ils vont toujours vous saloper votre travail, c'est-à-dire vous faites un truc de bien, ça va durer 2 jours, un truc de mal, ça va durer 10 ans. C'est le problème des médias, ils ne s'intéressent pas assez au progrès, ils s'intéressent à ce qui fait parler. Et le problème, c'est qu'entre l'image et la réalité, il y a une grosse différence. Je vous prends un exemple, peu importe le sujet, mais dès le moment où c'est médiatisé, forcément, si c'est par exemple une affaire judiciaire, la justice va aller beaucoup plus vite que si l'affaire n'est pas médiatisée. Pourquoi ? Pour redonner une belle image, etc. Vous voyez ? Mais en réalité, c'est faux. En réalité, vous y passez des heures et des heures et des heures à attendre. Donc c'est là où vous, en tant que propriétaire, vous devez ouvrir les yeux sur votre chien. Il n'y a pas de magie. On a un chien que dès petit, il a du caractère, il a la joie de vivre. Vous ne devez pas lui casser avec des méthodes qui sont violentes. Et vous devez le prendre en main parce que vous avez choisi ce chien pour faire des choses. Sortir, balader, peu importe où, mais c'est le genre de chien qui est quand même attaché à son maître. Il est peut-être moins que d'autres races, mais quand vous savez capter votre staff, il ne vous lâche plus. Et là, à ce moment-là, vous vous dites, mais oui, mais comment on fait pour canaliser notre chien? Alors, je vais essayer de vous expliquer. C'est pas très compliqué en soi. Votre chien a un caractère, il possède un caractère. N'essayez pas de lui en donner un autre, il en possède un. Et nous avons une belle équipe qui se présente à nous, regardez. Des mini staphylocoques. Viens Didi, viens. Donc peu importe la race des chiens, ils ont tous besoin d'un peu d'éducation, même les plus petits. Hein, oui. Dites bonjour, regardez. Donc je vous disais, je sais plus. Qu'est-ce que je disais? C'est plus, on s'en fout, de toute façon ils n'écoutent pas. De toute façon ils n'écoutent pas. Donc oui, pour capter votre chien, c'est très simple. Vous avez une laisse. Tous les jours, il faut s'entraîner avec. Quand le chien vous dépasse, vous allez lui signaler par exemple. À la maison, vous n'allez pas forcément lui donner accès à tout si lui ne vous donne pas l'obéissance que vous avez souhaitée. Vous avez un chien qui ne revient pas. Mais est-ce qu'il vous marche déjà au pied? Et puis dans le cas où vous ne vous en sortez pas et que vous vous interrogez, achetez un petit équerre. Captez votre chien. Donc je disais, il faut correctement analyser le caractère de votre chien. Il faut aussi que vous travaillez en fonction de ça. Des fois vous donnez un ordre, mais vous lui donnez l'ordre 10 fois. Il y a un moment, intervenez, allez chercher votre chien. Oh, et dites-lui, Mister, je t'ai parlé là. C'est dans votre attitude. On reflète l'autorité. On l'apprend, on l'extériorise, mais... Ça ne s'invente pas en fait, ça ne va pas venir comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent la journée et qui le laissent. Et ils passent des fois un nombre d'heures quand même incalculable, quoi. Donc vous ne pouvez pas attendre de lui qu'il soit pas vif, pas excité en vous voyant ou dans son comportement quotidien. C'est pas parce que d'un coup vous allez faire une balade, il va être mort 5 minutes, mais après il revient. C'est normal parce que son quotidien n'est pas fabriqué comme ça. Si vous voulez un chien calme tout le temps, il faut se mettre à sa hauteur. On prend un American Staff parce que à la base il y a un physique qui se cache derrière cette race. Et en respectant ce physique, forcément, pourquoi vous voulez avoir un chien excité? Je travaille énormément sur le lien qui se fait entre un humain et un chien. Et je vais vous donner un petit exemple. Un jour, dans l'ancienne structure où j'étais, j'avais mis Pablo dans un grand parc, en fait, j'avais la structure et à côté un grand parc. Et Pablo était dedans, tranquille, il faisait sa vie, tranquille. Et je l'ai entendu couiner de l'intérieur, en fait. Alors, je suis tout de suite allé voir et j'ai vu un peu plus loin un mec qui était face à Pablo. Mais sur le coup, j'ai pas forcément tilté à ce qui se passait. Et j'ai vu ce mec ramasser une pierre et la jeter sur Pablo. Comme ça, bon, il ne m'avait pas vu, mais moi je le voyais. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, je ne peux pas vous raconter, je ne veux pas avoir de problème.
Mais depuis ce jour-là, dès que Pablo me voit sortir, peu importe, hop, de suite, il se fixe à moi et j'ai l'impression qu'il a compris que j'étais là aussi pour sa protection. Et je pense que psychologiquement, le chien était en détresse et le fait d'avoir eu une assistance, bah, ça l'a rassuré en fait. Ce qui fait qu'il faut prendre en considération qu'un chien, il est même très intelligent. Il est même très intelligent, sauf qu'il est subtil, il parle pas. Et il y a plein de choses comme ça que l'éducation canine en général occulte complètement. J'ai essayé de détailler différents sujets. Je ne vous ai pas parlé encore de ceux qui confondent le staff avec le pitbull, etc. On va parler de différents sujets. Vous pouvez réagir, mettre en commentaire ce que vous avez envie. Voilà, peut-être que vous avez perdu 5 minutes, mais pendant 5 minutes, eh ben, vous n'avez pas pensé à vos problèmes. Et peut-être que ça vous a fait avancer avec votre chien. Ciao les amis.